Donc mon métier en tant que technicienne en usine de traitement des eaux usées donc, consiste à assurer le traitement des eaux usées domestiques et industrielles. Donc ce métier vise à rendre conforme l'eau rejetée en milieu naturel en respectant les exigences environnementales et réglementaires. Comme on voit ici, il y a une usine, on est sur une usine d'épuration, donc on traite l'eau septique qui passe par différents procédés. Et ensuite, elle est rejetée dans la rivière. Et de ce procédé, on a également des déchets qui en sortent, tels que les boues qui repartent en compostage, ou le sable qui est utilisé pour le remblai, ou le biogaz qui est réutilisé sur l'usine. Nous travaillons au sein d'une petite équipe qui a chaque agent a son rôle et ils travaillent de façon autonome. Nous sommes amenés à travailler quand même en équipe lors des gros chantiers qui nécessitent plusieurs personnes. Sur le site, nous pilotons avec des systèmes de commandes centralisés les différents paramètres et vérifions les anomalies. Nous sommes amenés à faire des prélèvements que nous envoyons à des laboratoires qui analysent ces échantillons. Nous faisons également des tests terrain sur notre site pour vérifier les paramètres en direct et pouvoir optimiser le fonctionnement. Nous intervenons beaucoup sur les sites, sur les installations où on fait des maintenances curatives et préventives. Nous réalisons un métier dangereux, d'où une sécurité très importante dans ce métier. Pour être technicien d'usine, il faut être polyvalent. Il faut des connaissances diversifiées, techniques en électricité, en mécanique, en biologie et en hydraulique. Il faut savoir s'adapter très rapidement aux situations, surtout en crise. Il faut avoir beaucoup de rigueur et un bon relationnel, notamment parce que nous travaillons dans une petite équipe et avec le client et les usagers environnants. Donc pour être technicien usine, j'ai fait un IUT biologique génie de l'environnement. Puis j'ai complété par une licence professionnelle traitement des eaux et exploitation pour me spécialiser. Pour faire ce travail, on peut passer également par des BTS Gémeaux ou métiers de l'eau ou suivre des filières d'alternance. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que c'est un métier d'utilité publique. Il est indispensable à la société si on veut être soucieux de l'environnement. Aujourd'hui, nous voyons autour de nous que l'urbanisation grandit et nous consommons de plus en plus d'eau du fait que nous avons des volumes croissants d'eau usée à traiter. Et c'est un enjeu pour moi et pour tous au niveau santé et environnemental. Aujourd'hui, pour moi, ce qui est très important, c'est qu'il faut avoir conscience de l'importance de préserver notre biodiversité et de préserver la qualité de nos ressources en eau dans nos milieux naturels.